Quelle est la différence entre une gastro et une voiture électrique? Il n'y a aucune différence. Tu es très content si tu arrives à la maison. C'est une fille, elle rentre dans un sex shop, elle dit j'aurais le sextoy rose là, ouais. J'aurais aussi le gros en noir et le plus gros en rouge. Oui. Et le mec dit pour les deux premiers, pas de problème, pour l'extincteur, je demande au patron. C'est une femme, elle pleure, elle est à la maternité, elle pleure, elle regarde son bébé, elle est en larmes, elle lui dit « Quand je pense qu'il y a 9 mois, j'ai failli t'avaler. Oh » Un petit garçon, il rentre dans la salle de bain et sa mère sort de la douche, nue, il regarde le sexe de sa mère, il lui dit « Maman, c'est quoi ça ?» Et la mère, elle est un petit peu gênée, elle dit « ben, ça, c'est le bon Dieu, tu sais, le bon Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme. » Et puis quand il a créé la femme, il a vu qu'il manquait un détail, donc il a été dans sa caisse à outils, il a pris une petite hache et il a fait une incision. Et le gosse fait « Non, 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 merde, en plein dans la chatte !» Petit jeune, il rentre dans un bar, il dit « Je voudrais 10 whisky. » Et le barman, un peu interloqué, il fait « 10 whisky ?» Il dit « Oui, mettez-moi 10 whisky. » Et le barman fait « Pardon, mais c'est pas courant. Si vous commandez 10 whisky, c'est que vous devez fêter quelque chose. » Et le jeune fait « Oui, aujourd'hui, c'était ma première pipe. » Et le barman dit « Écoutez, c'est toute ma jeunesse qui me monte à la gueule. Permettez-moi de vous offrir le 11e. » Il fait « Non, j'espère que 10, ça suffira à faire passer le goût. » Le type, il rentre chez lui, sa femme est affalée sur le canapé. Le mec, il rentre chez lui, il a un canard dans les bras, il caresse le canard, il dit « T'as vu, j'ai une grosse truie, hein. » La femme, elle dit « N'importe quoi, c'est pas une truie, c'est un canard. Fais ta gueule, je te parle pas, toi. » Et c'est Sarah, elle se réveille avenue Foch dans l'appartement. Ouais. Elle a la tête dans le cul, elle prend un café, elle rentre dans le salon, elle voit le Gauguin. Gauguin est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans la cuisine, il y a Van Gogh. Van Gogh est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans son bureau, il y a un Renoir, Renoir est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans le lit, fait « David, qu'est-ce que t'as fait? Tu es fou avec l'étoile de maître? Qu'est-ce que t'as fait? Fais ta gueule, j'ai un contrôle, j'ai tout mis à ton nom. » Un avion qui se crache, 400 morts, il y a 3 survivants, le pilote, le copilote et une hôtesse. Alors ils nagent jusqu'à la rive, il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a de quoi pêcher, ils ont de quoi faire du feu. Et ils arrivent à survivre, ils font des signaux, il n'y a pas d'avion qui passe, il n'y a pas de bateau qui passe. Et au bout de 3 mois, le pilote dit « c'est bien beau, mais quand même sexuellement, il faudrait peut-être qu'on s'organise. Vous proposez quoi ?» Et l'hôtesse dit « mais moi ça ne me dérange pas, on peut faire un jour toi et un jour toi. » Et ils marchent comme ça pendant 1 an, et au bout d'un an, en ramassant des fruits, l'hôtesse se fait piquer par un serpent venimeux, elle meurt, elle est morte. Voilà, et donc c'est très triste et tout. Et puis au bout de 3 mois, le pilote, il dit au copilote, bon voilà, la vie continue. Sexuellement, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, ben écoute, on peut faire comme on faisait avant. On peut faire un coup toi, un coup moi. On alterne. Il fait, ok, ils font ça. Puis au bout de 6 mois, il y a le pilote, il dit au copilote, écoute, faut que je te parle, j'en peux plus, ça me plaît pas, ça me dégoûte. J'en peux plus. Et le copilote dit, je suis ravi que tu me dises ça parce que c'est pas mon truc non plus. J'en peux plus, ça me dégoûte, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, bah le mieux ce serait qu'on l'enterre. Une femme qui dit à son mari, pardon mais tu baisses vraiment comme un lapin. Il fait, mais comment tu peux me juger en 30 secondes? Un garçon, il dit, papa, donne-moi 5 euros pour aller à la piscine. Papa, donne-moi 5 euros pour aller à la piscine. Et le père, il fait, écoute, Benjamin, tu connais le tarif? Bah écoute, Benjamin, tu connais le tarif. Oh non, papa, me dis pas qu'il faut encore que je te suce le kiki. C'est un couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un long courrier. Je l'adore, ça là, c'est une de mes préférées. Et il y en a un qui dit, chérie, prends-moi. Il dit, pardon, tu prends-moi, j'ai envie, prends-moi. Mais t'es folle, mais t'as vu, on est dans l'avion, il y a du monde. Mais c'est un long courrier, tout le monde dort. On fera pas de bruit, tout le monde dort. Mais t'es folle, je vais pas te prendre, mais t'es folle. Mais je te dis que tout le monde dort, prends-moi, j'ai envie maintenant. Mais si les gens vont se réveiller, tu veux que je te montre que personne ne se réveille? Regarde bien, il se lève et il crie. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Et dans l'avion, pas un bruit, tout le monde dort. Il dit, tu vois, prends-moi. L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée, et elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit, madame, vous avez froid? Elle dit, je tremble de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. Elle dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture? Elle fait, une couverture? Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. C'est deux mecs, ils sont au bar, ils vont mort. Deux potes, ils sont au bar, ils vont mort, puis ils boivent des coups, puis il y en a un qui dit, putain, ça fait chier, je vais encore rentrer bourré, ma femme va encore m'engueuler comme tous les soirs. Et son pote dit, mais elle a raison de gueuler, t'es con comme une pine, franchement. Il y a une solution pour qu'elle gueule pas. Moi, je le fais chez moi. Parce que toi, je sais comment tu rentres. Tu rentres, t'es bourré, tu titubes, tu farfouilles dans la serrure, tu fais des bruits, t'allumes tout, tu renverses les meubles, t'arrives dans la chambre, t'allumes tout, et tu la réveilles, elle gueule. Mais si, pour une fois, avant de rentrer, tu respires un grand coup, tu choisis bien ta clé, tu fais pas d'erreur, tu fais pas de bruit, tu n'allumes rien, tu ne
ne bouscule pas les meubles, tu te glisses doucement, tu te déshabilles doucement, tu te glisses dans le lit et tu bouffes le cul de ta femme. Et si tu lui bouffes bien le cul? Et si tu la fais jouir? Ah, c'est de mieux en mieux. Mais tu n'auras aucun reproche. Tu pourras même aller dans le frigo te prendre une bière. Elle te foutra la paix, le mec. Il dit, ouais, c'est génial, ça s'arrose, il reboive des coups. Putain, il arrive chez lui à 3h du mat', il fait, oh, il respire un grand coup, il a 4 grammes. Tu fais, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, respirer, bien choisir la clé, bien choisir la clé. Il rentre doucement, ne rien allumer, ne repérer les meubles, ne pas tituber. Rentrer dans la chambre doucement, se déshabiller, se glisser dans le lit. Et là, il bouffe le cul de sa femme qui dort profondément. Il bouffe le cul, il bouffe... Et elle ne bouge pas une oreille. Au bout d'une demi-heure, rien, et 3/4 d'heure, il commence à avoir mal aux mâchoires et tout. Au bout d'une heure, il entend un petit couinement, il dit, ouais, c'est bon, ça commence à chauffer, une heure et demie et tout. Au bout de 2 heures, il a une explosion sous la couette. Enfin, le mec, il est tout ankylosé. Et là, il prend la couette et il va dans la cuisine boire sa bière qu'il a bien méritée. Et là, il va dans la cuisine, il allume et il voit sa femme qui boit un café dans la cuisine. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Chut, parle moins fort, il y a maman qui dort dans la chambre. Bah, c'est le Belge, il va voir le médecin. Le médecin lui dit, pardon, mais j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous. Il vous reste 2 mois à vivre. Et le Belge dit, bah, alors je vais prendre juillet, août. C'est un vieux compositeur qui a écrit des symphonies toute sa vie. Il a mis tout son cœur, tout son art. Il n'a jamais vendu une musique de sa vie. Il a 78 ans, il habite la même chambre de bonne depuis des lustres. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'une production qui lui dit, écoutez, monsieur, on a vu à la SACEM votre catalogue. Et pour un film, on a décidé de prendre une de vos musiques. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Le mec, il dit, oui, ça fait des années que j'attends ça. Il dit, écoutez, donc on a votre accord. Quand le film se fera, on vous enverra une invitation pour la première et tout. Un an après, il reçoit un carton d'invitation pour la première du film. Alors, il met son vieux smoking, tout mité, il prend un taxi, il va à l'adresse, il trouve le quartier un peu sordide, mais bon, il est un peu étonné, et il voit le cinéma, c'est un petit cinéma de quartier, et il rentre, et il y a 2 personnes dans la salle, juste un couple de petits vieux dans la salle. La salle est vide pour une première, très étonné. Alors pour pas être trop seul, il se met derrière les petits vieux. Le film démarre, ça s'appelle Enculator, c'est un porno. Bien sûr. Et là, le mec, il est effondré. Il est effondré. C'est un mec qui s'appelle l'enculateur, il se fait embaucher dans un château, il encule la châtelaine. Après, il encule la fille de la châtelaine, il y a une baronne qui passe, il encule la baronne, il encule la bonne, il encule tout le monde. Ça a l'air sympa, ce film. Enculator. Et le mec est consterné, quoi. Toute sa vie, pour ça, il est consterné. À un moment donné, il y a un chien qui passe, l'enculateur, il travaille le chien, il encule le chien. Et quand il encule le chien, il y a une musique qui démarre, et c'est sa musique. Non. Et là, le mec... Il y a l'émotion qui le gagne, il est partagé entre la honte et l'émotion, et comme il n'a jamais entendu sa musique dans une salle de spectacle, il coule une petite larme, il y a une larme qui perle le long de sa joue, il a envie de profiter de ce moment, de partager avec quelqu'un, il n'y a que les petits vieux devant, et il est poussé, il dit, c'est ma musique! Et les vieux se retournent en larmes, c'est notre chien! C'est un gorille, il se réveille tous les matins, il se tape sur le torse, il fait, je suis le gorille enculeur! Et tous les jours, il encule un animal. Je crois que c'était une blague, moi, en fait. Mais ça, elle existe vraiment, cette blague? Oui, oui. C'est pas possible. Oui. Et il encule un animal chaque jour, il doit enculer un animal. Un jour, il encule un fourmilier. Un jour, il encule une gazelle. Un jour, il encule un phacochère. Un jour, il encule un crocodile. Puis un jour, il se balade, il fait, putain, je suis le gorille enculeur. Putain, le seul animal que j'ai jamais enculé, c'est le lion, le roi des animaux. Je suis dégoûté. Et il se promène, et qu'est-ce qu'il voit? Un point d'eau. Le lion. Dans toute sa splendeur, avec sa crinière accroupie comme ça, le cul tendu en train de boire. Il fait, c'est la chance de ma vie! Il arrive doucement, à pas de feutré, poum! Il encule! Il encule très très vite, très très vite! Et le lion, il se retourne, il fait, qu'est-ce que c'est? Il y a un gorille qui m'encule! Poum! Le gorille est joué, il part en courant. Et le lion, il fait quoi? C'est scandaleux, c'est pas. Par rapport à ma position, je peux pas admettre ça, sinon après, que veut dire la savane et tout? Et il cavale! Et puis le gorille, il fait, putain, c'est chaud, il court plus vite que moi, toi. Il court! Et le lion, il développe sa foulée, et le gorille, il voit que le lion, il gagne du terrain, il est un peu dans la merde. Et d'un seul coup, il voit une cabane, il rentre dans les cabanes, il met un chapeau, des lunettes de soleil, il prend un cigare, et il croise les jambes, il regarde le journal. Et le lion, il arrive comme un fou, il fait. Vous n'auriez pas vu un gorille? Le gorille, il baisse le journal, il dit, vous voulez parler du gorille qui a enculé le lion? Le lion, il fait, non, c'est déjà dans le journal. Il fait, docteur, je comprends pas, j'ai des poils partout sur les seins, sur le ventre, j'ai des poils, c'est pas normal. Et le mec, il dit, peut-être c'est normal, enlevez votre corsage. Et là, il est sidéré, elle a des poils sur le cou, elle a des poils sur les seins, elle a des poils sur le ventre. Il dit, attendez, mais ça court jusqu'où comme ça? Il fait, jusqu'aux couilles.